Madame, Monsieur, Vedès, Vedéné. 2012 tire sa révérence, avec son lot de difficultés. Année qui a été particulièrement pénible à l'échelon mondial, l'échelon européen, l'échelon national. Mais restons à Vedène. Vedène, par contre, 2012 a été une année quand même assez importante par le volume de travaux qui a été entrepris pour le cœur de ville, pour la réfection et le recalibrage et l'accès sécurisé du lac de Saint-Montange, la venue du lac de Saint-Montange. Et c'est vrai que 2012 restera, pour moi et pour beaucoup de Vedénais, une année ponctuée par une belle victoire, celle des salariés de Continental Nutrition. Ils ont fait la preuve qu'avec la solidarité, la dignité et la ténacité, la détermination, ils sont arrivés, ils ont vaincu. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de les féliciter, et puis je crois qu'on peut toujours les féliciter. Mais ils apportent la preuve qu'avec cette détermination, avec cette solidarité, tout peut être possible. Alors, on nous annonce 2013, c'est vrai, année très difficile, année de récession peut-être. Mais restons optimistes, qui doit rester notre carburant. Soyons solidaires, et je crois que tous ensemble, nous arriverons à franchir les obstacles qui pourront se présenter sur 2013. Et c'est vrai que si nous sommes défaitistes au départ, l'année sera encore plus difficile. Alors, restons optimistes. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, en famille, entre amis, et puis une très belle année 2013, quoi qu'on en dise. Je crois que nous avons et nous obtenons que ce que l'on veut par notre volonté. Bonne année à tous.